là le PVP est actif. Là, potentiellement, on croise quelqu'un, on peut le tuer ou on peut en faire une alliance avec lui. Que bien entendu, ça ne serait pas drôle, mais je suis la seule fille du truc, donc bon. La pisse, voilà. Cool, comment ça cool, saucisson? Quelle hauteur, on va descendre un peu. Nickel, on va commencer à creuser. On est parti. Les épisodes sur YouTube. Ah bah bien sûr. C'est en fait je trouve ça mieux de faire des épisodes parce que comme ça ça permet déjà de faire du contenu en stock. Yes, well, I mean the creepers were a mistake. I defined the I don't have any modeling programs to do the models, I just write them in code. And I accidentally made a tall instead of log. So it was like a tall thing with four little pieces. And that became the creeper. It was supposed to be a pig. Je vais penser à récolter des pommes, je ferai ça au fois full D. Moi je pense pas que j'irai dans le Nether, ce qu'il est autorisé hein, mais je pense pas que je vais y aller. Parce que je suis pas à l'aise dans le Nether quand il s'agit d'une série PVP. Ok. Non c'est pas ici que je veux le faire. Plus à ma hauteur. On va juste récupérer le fer quand même vite fait. J'entends une araignée. Essayer quand même de se faire aussi un arc, ça serait bien. Ça, hop, on sera tranquille. Bon, pioche cassée, très bien. Faire du stock bien sûr, toujours faire du stock. Ajouter un peu ce que j'ai qui ne sert à rien. Ouais c'est bon. Là j'ai pas mal de fer en fait. On espère trouver du diamant satisfaisamment quand même. Ça m'étonnerait que ça arrive comme ça mais bon, on peut espérer quand même. On a une grotte couche d'yams. Pas une mauvaise chose ça. Je fais quand même gaffe. J'ai pas envie de me prendre un creeper sur la tronche. Wartek dans les grottes. What? C'est un peu de quand même de. XP. Hop, d'accord, je comprends mieux pourquoi j'ai entendu des araignées. Je suis dans un mineshaft.
Un chaff quasi à la couche du diams. Ok. Nickel. On va pas l'explorer parce que je suis pas à l'aise dans les mineshafts. Chaque fois j'ai peur de crever à cause de ces foutues araignées. Je vais juste récupérer ce qu'on voit là. Hop. C'est une vanne, y a pas de diams. Y a même pas de diams alors que c'est une grotte couche 11. Je suis tellement deg. Aïe aïe aïe, pas trop de chance quoi là. On va creuser par là. Ah ouais non, en fait ça va en direction du château, on va éviter. J'ai pas envie de croiser les défenseurs parce que là ils pourraient me tuer. Je vais éviter de faire l'erreur donc hop. Ah bah tiens. C'est pas mal d'or. Nickel ça. On est reparti du coup. Pourquoi je sens qu'on va galérer à trouver de diams. Après c'est normal, hein, c'est la logique du jeu. Mais bon. Oh non, jure. GG. Oh non. C'est chaud ça. Mort suffoqué dans du gravier ou hein, du sable, un truc du genre. Bloqué dans l'opsy, génial. Oh, chaud. Il faut du poguer, moi le bâtard. Oh, c'est chaud ça quand ça arrive. Oh merde quoi, quand même. Chaud, 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 chaud. Je vois pas que ça m'arrive moi. C'est pour ça que je fais toujours gaffe en général. Bloqué dans l'opsy quand même, c'est rare que ça arrive ça, j'ai l'impression. Ça m'est jamais arrivé ça, moi. Il a dû faire un glitch sans le vouloir et puis bah voilà. Il est passé à travers. C'est cher pour mettre du violet. Comment ça c'est cher pour mettre du violet? Après moi j'ai juste rechangé le prix de pouvoir mettre en avant un message. J'ai juste changé ça. Hein. Putain, il y a un mec, il a des diamants déjà. Oh, du diams. Tu as changé, ouais, j'ai changé. Yes. C'est bon, je les ai tous eus. Nickel. Bon, je vais pouvoir faire la pioche, mais il m'en manquera toujours un pour faire la table.
Je vais la mettre de côté, j'ai quand même utilisé les pioches en fer que j'ai faites. Allez hop, on est reparti du coup. Ah moi attends, il y a un truc là-bas. Ouais bon. Rien de bien intéressant. Oh. Je suis dans un extrémiste, ok. Je me disais, attends, il y a un truc qui va pas là. Je galère à le casser. Ok, c'est un putain de bloc à silverfish quoi. Je crois qu'on est mal barré pour gagner, nous les attaquants là. S'il y en a déjà deux qui sont morts. Ah la galère quoi. Oh putain. Salut les zombards. Ouais bon bah c'est pas très intéressant. Hein. Enfin on va juste prendre ça quand même. Bon un saut c'est toujours utile. C'est cool de te voir jouer à MC, ça me rappelle ton serveur avec la ville. Ah, Evo ! Ouais, mais ça fait un moment que je suis pas allé dessus. D'ailleurs, faudrait que t'ailles récupérer ton stuff que t'as laissé chez moi. C'est vrai qu'en plus, ça fait un moment que j'ai pas été sur MC parce qu'en fait... Du coup, les derniers trucs où j'ai été sur MC, bah, c'était des séries PVP que je ne pouvais pas faire en live, quoi, parce que c'était des trucs qui allaient finir en vidéo sur YouTube, quoi. Enfin, il y a un des trucs qui est passé, donc c'était Random UHC, et on en a un autre qui sort à partir de mardi. Donc c'est Beat the Santa, je crois que je peux le dire. Il y a déjà quelqu'un qui en a parlé. Je sais mon stuff. Bah ouais, il faudrait que tu l'aies récupéré quand même. Hop là. Ça fait depuis longtemps qu'il est chez toi. Ouais bah il a pas bougé, il est toujours dans le même coffre. Hein. J'ai pas touché. Hein. J'ai pas rejoué depuis. Ah ouais d'accord, tu m'étonnes. Ça fait un petit moment quand même. J'étais en train de build la taverne quand tu l'as mis là ton truc. Il y a eu pas mal de nouveautés depuis hein, sur le serveur. Enfin, j'avais pas mal avancé depuis hein, que la taverne. Et c'est cool de te voir participer à des séries MC. Oui, ça, franchement, je m'attendais pas un jour à participer à de telles séries. Bon, après, on sait tous très bien que ça marche parce que bah, y a eu des influenceurs importants dedans qui participent, mais voilà. Sinon, je sais que ça marcherait pas pour moi. Hein. C'est pour ça que j'ai un peu de vue dessus. Oh putain, creeper. J'ai pris des risques quand même là faisant ça. C'est des tôles les squelettes là, c'est pas possible. Putain mais c'est quoi ces trucs de lave quoi? Bon
on va retourner Mina en ligne droite, je pense. Hein. J'ai eu ma période TFT pendant un long moment. Maintenant, je reprends un peu Wakfu, car avec la mise à jour, j'ai été giga hypé. Minecraft, j'ai mis ça un peu de côté, comme je suis tout seul. Ah bah ouais. Wakfu, faudrait que je m'y remette, parce que je t'avoue que j'en ai entendu parler de la mise à jour, donc de la mise à jour du Royaume Sadida. Mais ouais, j'ai pas été voir, tu vois, j'ai même pas fait la mise à jour ni rien. Pourtant j'ai Ekart et Wak qui arrêtent pas d'en parler. Donc, bon. Après c'est cool pour toi, tu vas te retrouver dans les hauteurs supérieures de MC. Bah tu vois, en fait Minecraft c'est un truc qui marche mieux que mes autres trucs que je fais en général. Donc même quand c'est une série, quand c'est du PVP, hein, du Minecraft PVP principalement, c'est ce qui marche le mieux sur ma chaîne, enfin ce que je remarque quand c'est pas des vidéos en particulier quoi. Si je te prends exemple de l'astuce Kama de Dofus ou de présentation d'un stuff opti, là ok on peut dire qu'elle marche un peu. Mais voilà, bon c'est vrai que Minecraft ça marche moins. Mais voilà, on me disait bah Minecraft ça marche bien pour toi. J'étais en train d'en parler avec Ekart et Waxkai l'autre jour. Il me disait tu vas mettre ta chaîne en mode Minecraft total, mais j'étais en mode bah ouais mais non c'est pas vraiment ce que je veux faire quoi. Parce que ok j'aime bien Minecraft mais bon ça a ses limites. Je fais plus trop comme avant, mais c'est tellement plaisant de plus avoir de problèmes de place. J'ai un coffre de 1500 places. Bah en vrai on te voit kiffer quand tu joues à MC. MC ouais c'est un truc que j'aime bien, c'est enfin depuis que j'ai découvert le jeu en regardant des vidéos, c'est un jeu que j'ai toujours voulu essayer et j'adore quoi, parce que même si je suis littéralement claqué au sol au PVP voilà c'est un truc que j'aime bien, même si là j'avoue que miner tout le temps c'est pas très passionnant, mais c'est quand même quelque chose qui me plaît moi. De jouer à Minecraft, de pas me prendre la tête. C'est un bon jeu Minecraft, hein, faut pas croire. Souvent critiqué, mais jamais égalé, quoi, on va dire. C'est clairement le truc, quoi. Bon, par contre, j'ai toujours pas trouvé d'eau et j'arrête pas de croiser de la lave. Ça va être compliqué si je veux faire de l'obsidienne. Quelle galère. J'ai eu peur. Je suis toujours en extrémiste, ça. Non, je suis en forêt. It's... Ok. Attends, je regarde vite fait ma musique. Si elle tourne toujours. Wow. C'est comme moi avec Wakfu, quoi. C'est une histoire d'amour qu'on comprend pas vraiment. C'est ça, en fait. Puis surtout, ce qu'il faut se dire sur MC, c'est que bah, je suis un peu en overdose dessus, en quelque sorte, parce que... bah. Comme tu le sais, Saucisson, j'avais participé du coup à la cité des éléments et bah, c'est un truc qui m'avait tellement hypé que j'étais à fond sur MC durant le temps. Et comment ? Et merde, j'arrive pas à trouver mes mots. Et en fait, j'ai trop joué après encore parce que j'avais encore la hype de la cité et tout. Et bah, ça m'en a dégoûté un peu parce que j'en avais marre quoi. Pourtant, MC, j'y ai joué 7-8 ans, mais bon, à un moment, je me suis lassée. Minecraft, en fait, tu fais vite le tour si tu joues tout le temps dans du vanilla ou du PVP classique, quoi. Donc, ouais, c'est ça le souci. Après, quand moi, je fais du modé, par exemple, en ce moment, enfin, j'ai une amie, elle a ouvert un serveur vite fait pour jouer entre amis, où on fait du Pixelmon, voilà, quoi. Donc, sympa. Bon, il n'y a que Pixelmon, donc moi, j'ai vite fait un peu le tour. Bon, j'ai pas attrapé de légendaire encore, mais genre, j'ai joué 3 jours d'affilée. J'ai une équipe bien montée. J'ai déjà été visiter les nouveaux... Comment que ça s'appelle ? Les dimensions qu'on peut aller normalement dans le soleil est nul. Et lune, pardon. Ça m'a fait pareil fin 2018, depuis que j'ai rejoué en faisant ma petite ville sur Evo, puis j'ai plus rien après. Ouais, voilà. Sur Evo, en fait, moi, j'étais motivée, hein. Je dis pas le contraire là-dessus, mais en fait, c'est que le fait que mon pote ne joue pas, bah, je me dis, merde, ça me fait chier. J'ai plein de déco à faire, j'ai des builds à faire, mais toute seule, c'est chiant. Tu vois, encore une fois, j'avais prévu à la base de faire mon château, on l'a jamais fait. Tout ça parce que, bah, voilà. Ah, on arrive au jour 3.
J'ai toujours pas trouvé de quoi me faire.